Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, marhaban, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mettre à jour l'application Mawaqit for TV manuellement sans passer par l'application Google Play Store. Donc là, je suis sur une version 1.5.0 qu'on voit tout en bas à droite et je vais passer à la toute nouvelle version qui est la 1.6.0. Pour ce faire, d'abord il faut télécharger le point APK. D'accord, l'application, il faut la télécharger depuis notre URL get.mawaqit.net/apk/tv. Je vais vous la mettre dans la description. Une fois que cette APK est téléchargée, vous pouvez le mettre sur une clé USB. Et après, branchez votre clé USB sur la box. Voilà, voici ma clé USB. Et maintenant, on va procéder à la mise à jour. Donc, il faut d'abord sortir de Mawaqit. Donc on peut sortir avec le bouton Home ou le bouton Retour en arrière. Ok, là on est sorti. Et après, on va aller dans le bouton Paramètres qui est tout en haut à droite. Après, on descend dans l'application. Après, on va aller chercher à droite. On va monter tout en haut parce que le focus était tout en bas. Donc on va aller au milieu. D'accord, ici, cet endroit-là. Et après, on va chercher l'application File Manager. Dans le bouton à droite, où c'est écrit I, on va rentrer dedans, on va l'ouvrir. Et après, on va aller chercher notre clé USB, qui se trouve juste là. Donc avec le symbole USB à côté. Ok, on va rentrer dedans et on va aller chercher notre point APK, qui se trouve tout en bas. Donc là, en l'occurrence, c'est le 1.6.0. Après, vous, quand vous allez télécharger l'APK, ça va s'appeler mawaqit-4tv.apk. Donc il n'y aura pas le numéro de version dedans, mais ça sera toujours la dernière version. Donc il suffit d'appuyer, de cliquer dessus. L'installation démarre. On fait, il nous demande si on veut faire une mise à jour. On fait update. Ça prend quelques secondes. Voilà, l'application est mise à jour, je peux l'ouvrir et là, je vois en bas que je suis déjà en 1.6.0 et on va le voir aussi une fois que l'application est bien démarrée, on le voit aussi en bas à droite. Voilà, cette vidéo est terminée, merci pour votre fidélité et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire ou à travers notre chat qui se trouve sur le site internet mawaqit.net. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.